Il s'agit... C'est bon. Il s'agit d'une infraction qui est prévue et condamnée par le texte. Quand vous voulez faire une manifestation publique, quand vous voulez faire une marche, vous devez écrire à l'autorité locale. Et la loi dit que l'autorité locale juge de l'opportunité et apprécie s'il peut refuser ou aborder. S'il refuse, il le manifeste par écrit. Effectivement, Élie Kamano a effectué cette démarche. Monsieur le gouverneur l'a répondu en lui disant, avec des motifs valables, que cette démarche ne peut pas avoir lieu. Malgré ça, il s'est entêté, il est sorti dans la rue. C'est comme ça qu'il a été interpellé. Qu'est-ce que je veux ajouter par rapport à ce que le ministre a dit? C'est vous féliciter la presse. Nous voyons au niveau de la presse qu'il y a une évolution. Avant, on pensait, une fois que quelqu'un est interpellé, on pense que tout le monde est contre lui. Aujourd'hui, la presse recherche les mobiles des interpellations. La presse même se sérige en défenseur de droit de voix pour donner des explications à la population. C'est en cela que nous vous félicitons. Ce jour, quand il a été interpellé, beaucoup de radios ont envoyé. Ce qu'il a fait est mauvais parce qu'il y a eu un acte qu'il a défendu de le faire et il a transgressé la loi. C'est normal qu'il réponde. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette affaire? Il s'est trouvé qu'Élie Kamano avait un premier dossier à Mavango. Il a été placé sous contrôle judiciaire. Donc, il fallait faire une jonction des deux procédures. C'est pourquoi, après notre avis, le procureur de la République a pensé le placer dans le même état que le premier dossier. Le deuxième dossier, c'était à Galo. Le dossier de Takala. Je ne dis pas l'autre nom pour ne pas me tromper. Il a été interpellé dans les mêmes conditions, mais c'est quelqu'un, après une concertation, quand on a vérifié, c'est la première fois qu'il est interpellé par la justice. Donc c'est un délinquant primaire, il n'a pas de casier judiciaire, son casier judiciaire est vierge. Donc c'est ça la justice aussi. On n'est pas là, les magistrats ne sont pas des bourreaux pour envoyer tout le monde en prison. En fonction des fautes commises, nous voyons les sanctions appropriées. Le procureur a estimé que pour le moment, comme c'est la première fois qu'on l'a interpellé, il vaut mieux le placer aussi sous contrôle judiciaire. Mais je vous informe que ces deux dossiers ne sont pas placés. Ils seront jugés conformément à la loi. Après les vacances judiciaires, les deux dossiers là seront programmés, l'un à Mapanko et l'autre à Kamou. C'est ce que je voulais dire. Deux mots juste pour préciser ceci, pour éviter toutes les interprétations. Le garde des Sceaux tout à l'heure a indiqué qu'il a donné des instructions au procureur général. Je voudrais vous dire que ces instructions sont tout à fait légales. Trouvent leur fondement légal dans les dispositions de l'article 37 du Code de procédure pénale. Le garde des Sceaux est le supérieur hiérarchique du ministère public. Il met en œuvre la politique pénale du gouvernement. À ce titre, il a la possibilité de donner des instructions générales en matière pénale aux magistrats du parquet, en particulier au procureur général, lorsque une infraction lui est dénoncée. C'est ce que le garde des Sceaux a fait dans cette affaire. Donc, pas d'interprétation, il y a une base légale, l'article 37 du Code de procédure pénale. Je vous remercie.